Bah écoute, regarde. Bisous YouTube, bisous bisous. Pendant que Julien et Antou font le fauchage, nous on est parti aller vendre les vêtements. Enfin les tissus, parce qu'on n'a pas l'usine de vêtements. Ce sera la prochaine étape. Mais on a 6 palettes de tissus. Et du coup on va aller vendre ça. Pour 4000 euros la palette. Du coup on va refaire une prédiction pour YouTube. Pour Twitch, pardon, non, excusez-moi. Twitch. Twitch, parce que YouTube, le temps que vous répondez, je pense que... On leur a vendu depuis longtemps. Mais vous pouvez estimer. Marquez là, ceux qui estiment à peu près combien. On a 12 000 litres à 4 000 couchés. Bah pourquoi pas. Ah bah on est bien là. Allô. Allô Houston. Help me. Please help. S'il vous plaît. Y a quelqu'un qui veut venir m'aider? Non, personne. Ouais, je dois bouge pas. Attends, bouge pas. Je crois qu'il y a la super force d'activer. Putain, mais je l'ai bien retourné là. Aïe. Ouais, vas-y, fais-moi tourner, t'as raison. Vas-y, fais tourner les serviettes. Allez, Anto. Allez, Julien, pardon. Tu peux le faire. Non. Je t'aiderais bien, mais... Là, c'est bon. C'est bon, bouge plus, bouge plus, bouge plus. Non, il veut pas. Et ça commence bien cet épisode. C'est du grand schizo, c'est ça. Attends, il y a que 6 palettes, je m'attendais pas non plus à dire que ça se retourne. Attends, bouge pas, je vais le remettre. Je vais le remettre, Julien, bouge pas. Hop là. Ah, bah je l'ai remis de l'autre côté. Attends. Hop. Là. Voilà. Ah, c'est bon. Tu vois, comme ça qu'il faut. Il faut le brutaliser. C'est farming, tu sais. Si tu brutalises pas, ça marche pas. La prochaine fois, vous saurez que le poids, ça se met à l'arrière. Quand il n'y a pas beaucoup de palettes, ça se met pas à l'avant. Sinon, ça a tendance à foutre tout en l'air. Hein? Et vous ferez attention dans les virages, ça va basculer. Du coup, on est reparti avec nos palettes à les vendre au train. Je sais pas pour combien de budget on va récupérer, mais je pense pas qu'on récupère beaucoup. Quoi. Un tout petit peu, du moins. Un tout petit peu pourrait être pas mal. Merci beaucoup, du coup, à celui qui m'a envoyé le mode mini biogaz plant. Bah écoute, je regarderai ça. Je regarderai ça. Complet. J'essaierai de voir comment on fait. C'est vrai que biogaz et tout. Peut-être que il nous faudrait de la main d'œuvre sur cette carrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il y a un moment donné, même avec de la main d'œuvre, on va être à court de matériel. Oui, bon, ça, la matériel, ça s'achète, mais. Oui, mais il faut des sous pour ça. Moi, je serais parti pour ouvrir le temps que j'arrive à préparer la deuxième série. Là, partir à ouvrir cette carrière-là. Là. En commu? Bah, en commu quand j'y suis. Ouais. Bah, pour être pas mal. En commu quand j'y suis, ouais. 6 x 4, 24. Bravo, Jet. Donc, tu dis 24 000? Ah, bougez pas, je vous fais la prédiction parce que vous êtes en train de vous battre dans le chat et j'adore ça. Alors, il y en a un qui m'a dit entre. Alors, moi, je vais faire entre 20 et 30. Voilà. Attends. 20 et 25. Juste pour faire chier le monde. En dessous de 20. Bougez pas, alors, on va rigoler. Combien 30 secondes. Combien? Non, mais là, t'es dans les choux. Hein. Ah, mais je sais pas, 6 x 4, 24. Donc, vas-y. Plus que 53,5 ou moins de 53,5? 53,5, donc 54, plus de 54. 53,5. 53,5. 53,500. Ouais, mais attends, je fais la tranche middle, tu sais. Je vais te suivre, bouge pas. Hop, tac, hop, allez, 5 minutes. Ça va être le temps que je vais mettre dans le train. Ça pourrait être pas mal. Allez, let's go. 4008. Je crois, hein. c'est ça, 4008 les 1000, hein. On est d'accord? 4008 les 1000, si je me rappelle bien. Attends, je vais te la reficher. Et 4482 les 1000 litres. On va louer le train. J'espère qu'il est pas trop loin le train. Attends, on va éteindre le gasoil, ça coûte cher, hein. Prix du litron. En attendant que le train arrive. Il est où le train? Le train de notre aventure. S'il vous plaît. Il est à 1,7 km. Là, t'en as fait cadeau. Hein. T'en as fait cadeau, là? Ah ouais, t'en as fait cadeau, là. Non, j'ai pas fait cadeau. Bah si. Non, j'ai pas fait cadeau.
J'ai pas fait cadeau, moi, je te dis, tu vas voir qu'il y en a qui vont se voter. Il y a quand même beaucoup de points qui tombent dans le moins de 50K. Hein. 1400 points. Contre 57 000 dans l'autre. Ouais, 57 000 dans l'autre, ouais. Entre 50 et 54, si tu t'es trompé, et que c'est 54 200, il y a tout le monde qui a perdu parce que personne n'aura mis au plus de 54 000. Mais ça, c'est leur problème. C'est pas moi qui me suis trompé. Ah, désolé. Vas-y, Chris, pose la question. Moi, j'attends le train, de toute façon, c'est comme d'habitude, la SNCF est en retard. Ah, il arrive, 600 mètres. Mon Dieu. Il est où? Il est passé où, le train? Allez, ramenez-vous. Pose ta question. Ah, ça y est. Le train arrive. Ah, ça, c'est pas des barrières que je voudrais prendre en bagnole, tu sais. Quand tu vois la ferraille, tu vois le renfort au-dessus, là, t'as pas envie de le prendre, t'sais. Sur le chat du... de Eco Commu. Le chat juste au-dessus de ton canal vocal. Hop là. Allez, on avance. Attention, qui est prêt à perdre de l'argent? Ah, il y en a un qui a mis 10 points quand même dans plus de 54 000 au cas où. On sait jamais si on peut récupérer plus de 100 000 points. Vente de tissu au train. Il va être incroyable la génération d'IA là-dessus. Je sais pas ce qu'il va me sortir en miniature, mais bon, vous la verrez avant. Mais... je pense qu'on va rigoler 30 secondes. Je m'éclate à faire les miniatures en ce moment. C'est l'IA qui me l'a fait. Comment dire que ça m'éclate de vous montrer n'importe quoi. D'habitude, je les porte pas par deux. Mais bon, je veux bien le jeu. Non, ça y est, elle va tomber. Ouais, c'est bon. Elle va tomber. Alors, une palette, on va bien les mettre au milieu parce que je me suis rendu compte que les palettes, elles se barrent quand elles sont pas bien au milieu. T'sais. Puis là, la palette, elle est barrée. Pourquoi elle s'est barrée en dessous le... Qu'est-ce que tu me fais, toi, l'artiste? Il y a 6 palettes, tu vas pas réussir à me les mettre correctement. D'ailleurs, on va avancer un peu. Ce sera plus simple pour se charger quand même. Faire des navettes. Soyons intelligents. Avançons le tracteur. Ce sera plus facile. Hop. Donc tout le monde a joué la prédiction là. Il reste encore un peu de temps là, profitez-en. Oh mais il y a plus de 6 palettes. T'es parti, il y en a encore 2. Ah bah écoute, tant pis pour toi. Moi j'avais dit pour 12 000 litres. Donc du coup 12 000 litres pour 12 000 litres. Parce que là la prédiction elle est partie, c'est trop tard. C'est trop tard. Bon je vais me battre avec ces palettes quoi. Mais lol quoi. Je me bats avec 4 palettes quoi, avec la super force en plus. Je serai encore avec le fen, je dis pas, tu sais. Avec le truc, je dis pas, mais là. Je me bats avec pas grand chose. Il y avait 12 000 litres de tissu, ouais, ça va faire un petit paquet. Faire un petit peu d'argent. J'ai empilé ça comme un. Ougnafé. Dirait l'autre, tu sais. Hop. Ah, il y avait 12 palettes. Ouais, il y avait 12 palettes. Ouais. Je croyais que c'est des palettes de 2000. Une palette de 2000. Oui, c'est pour ça que je croyais qu'il y avait 6 palettes de 2000, ça faisait 12 000 litres. Mais non, en fait, c'est 12 palettes de 1000 litres. Ouais, c'est 12 palettes de 1000 litres, ouais, c'est ça. Ouais, ça revient au même, ouais. Pour les calculs, ouais, ça revient au même. Alors, est-ce que ça va revenir au même pour... Vous vous rendez compte, là, vous faites confiance à un gars qui vous a dit un chiffre qui est... C'est pas sûr, hein. Attention, hein. Le gars, il s'est peut-être trompé, hein. Je ne suis pas responsable d'Anto et de ses calculs mentaux, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Attention. Mon calcul mental, il s'appelle Apple. Apple. T'as fait la calculette, quoi. Bravo. Bah oui. Bon, tu me laisses passer l'artichaut. Merci. Oh, les bugs. Pas les bugs, les collisions. Il est 21h45, j'ai plus envie de calculer, là. Ah ouais, tu avais annoncé 6 palettes. Ouais, ouais. J'ai annoncé 6 palettes, mais j'avais 12 000 litres. Bon, dans tous les cas, je sangle. Ah, je suis pas sur le bon pour sangler. C'est fini l'après-midi. 12 000 litres, ouais, elle est finie l'après-midi. Bon, normalement, on est à 53 782. On est à 12 000 litres, tout rond. Donc toi, à la vente, t'es à 52 000, c'est ça? 53 782. Dites-moi le juste prix, et je ferai gagner un cadeau à celui qui ferait le juste prix. Vas-y, marque-le, Anto, dans le chat, le juste prix. Allez, on va se faire un juste prix, dépêchez-vous, parce que quand ça arrive, ça compte plus, t'sais. Attention, attention, attention.
64 000, 53 782 pour Anto. On a toujours les 12 000 litres dessus, donc. Un petit juste prix. Non, vous êtes que deux à jouer sur le juste prix. Vous avez peur de quoi? 73 500, 54... 54 tout rond. Et 18 centimes qui marque, toutou. 53 784 pour le gamer qui joue l'approche. Et tonton, bonsoir, qui joue le 29e mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonsoir à toi. 53, 498. Et attention, 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 attention. Ah. 53 799. Et nous avons pas de juste prix. Et à 1 euro près. 1 euro. 1 euro. Vous avez failli perdre la prédiction. Alors vraiment à 1 euro près quoi. Il y aurait eu un micronième de plus de monnaie et c'était mort. Vous perdiez tous la prédiction. Coup GG. C'était 50, entre 50 et 54 000. GG à vous. Et c'est fait. BZH qui sub en taux. Merci beaucoup. Merci, merci. Incroyable. C'était incroyablement serré. Je sais pas comment vous dire que c'était vraiment incroyablement serré. C'est serré. Tu vois quand même que c'est pété quoi. Bah en fait, ce que tu vois pas, c'est que dans le codage, il y a des virgules. Toi, tu vois le chiffre rond. Voilà. Et je commence à le connaître, Farming. T'sais. Et du coup, je te dis merci pour le train de hype qui démarre. Du coup. Et du coup, comment te dire que la petite virgule en plus, ça peut gérer différemment. Voilà. C'est bien, on vient de livrer au train. Il y avait le passage à niveau. Et là, le train de la hype démarre sur Twitch. Comment te dire? C'est marrant ça. Incroyable, t'sais. Incroyable là, t'sais, incroyable. Hop là. Du coup, je vous ramène le plateau. Oui, il y a deux palettes encore, mais je vais pas aller les vendre. Hein. On va les garder pour l'usine de vêtements, c'est pas grave. Il y a déjà, t'as déjà fait 58 000 euros là. T'es bien là. On peut même rajouter un chouille de décor. On est à la moitié pour l'usine de vêtements. Et on est à la moitié pour l'usine de vêtements. Ouais. Ah donc il y a plus que ça alors. Est-ce qu'on est capable de remettre 6 palettes? Non, 12 palettes du coup. Juste pour rigoler. Il y a combien de litres à l'usine de vêtements? Attends que je rigole. Ah, il y a 2000 normalement. Tissu. Ah non, il y a rien en tissu. Il y a rien en tissu. Les palettes, elles sont dehors. Ah, elles sont dehors. Bah, normalement, il y en a 6 alors. Il y a la moitié quoi. Deux. Ah, bah, il y en a 2. Bah, alors pourquoi il me dit, Julien, on est à la moitié? On est à la moitié du prix de l'usine pour l'achat. Ah, d'accord. Bah, il faut faire l'autre moitié alors. J'avais pas compris. Il y a le semoir qui s'est arrêté avec l'ouvrier là. Ouais. Il faut changer le champ. Non, il faut le finir le champ. Il est pas arrivé au bout le bestiau là. Il est pas arrivé au bout le bestiau. Il y a peut-être plus de monstres. C'est non, possible. Il y a plus de monstres. Eh ben il faut recharger, j'ai remis. Le truc d'huile. Et les palettes, l'huile, c'est le bon moment pour vendre ou pas? L'huile, est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Bonne question. Parce qu'il y a 6 palettes qui sont dehors. Et l'huile, on les vend pas? On les balance normalement aux chips. Ah oui, mais les blindax. Ah oui, d'accord, les blindax. Et on a toujours pas de patates pour mettre. Non. Ouais, mais là, tu vas en avoir cette année, là, des patates. Là. C'est bon, je t'ai acheté le champ de patates. Le colza, on n'est pas dans le bon mois. C'est quand le colza? Merci pour les beats. Mois merci. De novembre. Et le prix, il est comment? 1797 au train. Et il est à 2003 ouais. Au max. C'est au mois de novembre. Vendre, hein. Ah bah écoute, si tu veux charger le plateau, charge le plateau. Tiens, je te laisse ton Fent du coup, ton favori là. Je suis en train de faucher. Ah t'es en train de faucher? Eh bah écoute, ouais. Ce sera pas pour aujourd'hui, c'est pas les bonnes ventes. Non mais. Ce sera juste pas aujourd'hui. Voilà. Eh Julien, c'est pas parce qu'il y a un grand bâtiment qu'il faut tout jeter comme ça dedans. Hein. Ah si si, regarde, tiens. Hop. Moi je fais pareil. Mais quel enfoiré! Tu sèmes pas du tournesol pour faire de l'huile? Si si, c'est prévu. C'est prévu de semer du tournesol. Pour l'instant, de l'huile, on en a plus de cassé quoi. Ouais, mais justement, après on pourra faire les trois catégories, on pourra les vendre comme on fait pour la conserverie maintenant, tu vois. La conserverie, du coup maintenant on vend les conserves directement tous les jours quoi. Ça on n'est pas emmerdé. Donc l'huile on pourra faire pareil. On gardera le colza en transfert du coup à l'usine de chips. Mais le reste de tournesol, on pourra le vendre. Faudra juste racheter une barre de coupe tournesol. C'est ça le problème, quoi.
Ah, je me suis pendu. On a des conserves. On a des conserves. Ouais, je sais qu'on a des conserves dehors, mais tu peux les laisser si tu veux. Et c'est pas le bon. Non, c'est décembre le mois. Les gars, ils veulent gratter tout. Décembre, janvier, les conserves. Bah, c'est surtout pour acheter l'usine en fait. L'usine de vêtements ? Ouais. Bah là, tu l'achèteras pas tout de suite, l'usine de vêtements. Tu l'auras demain, l'usine de vêtements, quand on aura passé 24 heures. Ouais, ça c'est sûr. Et bah, ça sera bon. Ça sera impeccable. On pourrait la poser en offre au pire. La commune sera au courant. Enfin, pas dégueulasse, c'est. Bonsoir, JR. Bonsoir, bonsoir. Mais du tournesol, ouais, ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, le tournesol, ça te dirait pas qu'on le foute. Du coup, du côté du 69 que j'ai acheté, qui est préparé mais qui est pas semé. Putain, je viens de virer le semoir, t'y crois ? Merde ! Le semoir à tournesol, il est parti, le semoir à tournesol, on l'a plus, le semoir à tournesol. Fais chier. Le 71, c'était quoi qu'il y avait dedans ? Je me rappelle plus. 71, l'orge, c'était de l'orge, ouais. Bah, de l'orge, de toute façon, il faudra en acheter de l'orge. Bah non, on a du blé à foison. On a du blé à foison, mais de l'orge, il va t'en falloir aussi. De toute façon, pour le champ. Pour les poules, non ? Sorgho ? Tu passes au sorgho direct ? Je crois qu'on a 65 000 litres de blé, si je me trompe pas. Bah, l'usine, elle fait quoi ? Il faut trois types d'huile, je crois. Tournesol et olive. Ah oui, l'olive. Oh, l'olive ! Oh là là ! Oh non, pas l'olive. Non, stop, non, stop, non, stop, non, stop, non, stop non. L'olive. Oh, pas d'olive. Olive, pas olive. Olive et Tom, c'est fini depuis 83, donc c'est bon. Y a plus. J'ai pas rendu le train ou il est revenu. Ah bah non, j'ai pas rendu le train. Il est pas rendu le train. Pourquoi il s'est reposé là le train ? Qu'est-ce qu'il me fait lui ? C'est nul là ! Nul, nul, nul ! Du coup, c'est comme ça que tu vas me laisser suspense quoi. 58 000 euros, on a vendu quelques palettes, on n'a plus rien à revendre en récolte là ? Tant que j'ai le train. On va voir dans les stylos parce que. Les stylos. C'est tant que j'ai le train, autant qu'on essaye de vendre. Ouais, il n'y a pas grand chose, il y a du soja. Le soja, c'est quel mois ? C'est juin, donc c'est mort, c'est pas pour maintenant. Le sorgho, on a 4000 litres, comment te dire que ça sert à rien ? L'orge, c'est au mois de décembre, donc c'est mort. Le blé, c'est au mois de décembre aussi, donc c'est mort. Ouais, on a foutu en l'air toutes les ventes de décembre en fait. Oh, il nous a fait perdre un putain de gros billet en fait, le pépère là. Oh, on va le châtier. On va le fouetter, le père Julien. Dommage. Rendre le train loué, voilà, c'est bon, il est rendu. Bon, après, on n'a pas perdu le billet, c'est reporté, mais. Ouais, c'est reporté, ouais, j'avoue. Je vais aller chercher du coup des semences parce que là, il en manque un peu. Il y en a devant l'usine d'huile. Devant l'usine d'huile, il en reste ? Ah oui, ouais, j'en vois. Il y a encore un big bug. Parce que je vais remettre l'ouvrier. C'est peut-être un peu gros quand même le tracteur pour juste semer. Non. Oh, c'est pas trop. Bah, tu peux prendre avec le farmal. Hein. Non, bah non, il avance pas. Bah, l'ouvrier qui le fait. Avec le Fiat, il avait du mal. Avec le Fiat, il avait du mal ? Ah oui. Il fallait tant de chevaux que ça pour lui ? Bah, j'en sais rien, mais. Pas rame. Hein. Je me rappelle pas. On rappelle pas qu'il fallait tant que ça. Bon écoute, si tu le dis, ça doit être vrai. Je vais le laisser comme ça. Skizette avec sa cravache, lol. Elle est plus là, elle est partie. Elle est partie, Skizette. Vendu. Je la reverrai peut-être sur Echo un jour. Peut-être. Je dis bien. Merde, j'ai mis l'ouvrier comme un con, mais j'aurais pu le faire moi-même. GBV. Voilà. Tac. Oui, dis-moi tout. Faudrait aller chercher du blé pour les poules. Du blé pour les poules, aller chercher ? Bon, aller chercher du blé pour les poules. Et puis acheter des poules aussi, peut-être. Ah oui, on n'a pas acheté les poules. Oh bah, les poules, il y en a pour 35, 40 000 euros. Hein. Comment te dire voilà. Que... Achète, il n'y aura pas l'usine. Oh ! T'oses nous dire que là, du coup, on va plus faire l'usine ? Bah, pas dans l'immédiat. Oh ! Tu vas décevoir tellement de monde. Je suis dégoûté. du coup, attends, parce que moi j'ai encore des babales là. Non, j'ai plus de babales. Si, il y a des babales là-bas. Non, parce que je ramasse vos babales en même temps.
Putain, il y aura une tonne de déco. L'entretien du classe, ouais, l'entretien du classe, on verra l'entretien quand on aura rentré un gros billet. Là, on a quand même pas mal de terraforming à faire qui va coûter un petit billet. Il y a... Bah, vous êtes habitué de toute façon, en temps normal, je mets tout. Non, je pense pas qu'il soit gratuit le terraforming. C'est pas la commune qui nous l'offre ? Ah, c'est la commune qui nous l'offre ? Ah, si, si, si. La commune nous a dit de nous offrir le terraforming. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être pas mal. Non, mais on va le faire. Bon, après, le terraforming, moi je le compte jamais parce que, en fait, c'est. Quand c'est du rattrapage de bâtiments qu'on doit faire, je trouve ça idiot de balancer de l'argent là-dedans. C'est vraiment idiot. Il y a moyen de s'en sortir mieux. Hop, laissez lui ici. Il fera l'acheter un de ces quatre, ce plateau là. Je sais pas, vous attendez qu'il soit à 1000 euros pour l'acheter, c'est ça? Ouais, un jour peut-être. Tu voulais quoi? Je me rappelle plus, j'ai mangé la commande. Ramener de... ah, plus, ça, bon. Du blé pour les poules. Ah oui, du blé pour les poules. Elle est où notre benne? Bah, c'est le plateau. Ouais. Ah oui, c'est le plateau, putain, qu'il faut remodifier. Ah ouais, c'est pour ça que tu voulais un autre plateau. C'est ouais, le plateau. Benne. Plateau qu'il faut remodifier en benne, c'est ça. Faut que je repasse par le magasin. Et c'est au silo du tracteur en plus. C'est au silo là-haut. Silo est, ouais. Oh là là, ça va être long. Ça va être long, comme qui dirait l'autre là. Il va y avoir du temps de trajet. Et bah du coup on va passer par le magasin, on va repasser au silo est et on va aller récupérer le blé. Et là faut que j'achète les poules. Attends, je vais acheter les poules avant. Et moi je vais dépenser 4500 balles. 4500 balles, pourquoi? Pour acheter un karcher. Pour acheter quoi? Un karcher. Un karcher. Tu vas nettoyer les véhicules. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Dis pas que tu vas acheter un karcher pour nettoyer les véhicules. Incroyable ça. Et moi, je vais dépenser 3000 euros pour 50. Combien qu'elle vaut notre presse là? Tu la laisses tranquille cette presse, tu la touches pas. Arrête de vouloir vendre mon matériel. Non, non, mais combien qu'elle se vend? Elle se vend, je sais pas, mais elle est pratique pour tout en fait. 46 000. Mmh. Regarde sur le bon coin. Ouais, je sais, il y a la Gowell. Ouais. Ouais. Je l'ai vu la Gowell, mais c'est pas ça là qui m'intéresse le plus en Gowell. Non. C'est qu'il y a 200. Ouais, 280 000. La Gowell, celle-là, c'est la même que. Je crois que c'est la même que celle qu'on a. Bon, okay. 160 chevaux. 10 000 sur le passage. 10 000 sur le passage. Mais elle fait que du 125, celle-là, non? Celle-là, elle fait que du 125, ouais. Alors que l'autre, on peut dispatcher. C'est pour ça que je voulais garder l'autre. Laisse tomber. Bah oui, oui. Ah bah oui, de toute façon, je comptais pas la prendre. Je cherchais juste une solution à l'esquiver. Pour 41 000, je t'achète une benne, hein. Oh, attends, non, pour 41 000, je t'achète mieux. Ah ouais, il va falloir 100 000 euros pour la... 120 000. On va avoir 120 000 euros la barre de coupe. Non, je regardais le prix de la barre de coupe. En passage. Passage, tant qu'on y était. T'as regardé la benne. Mais j'avais un petit multifruit container XL. Je sais pas si tu te rappelles. J'avais ça en mode aussi. J'avais cela qui coûtait pas si cher que ça. Ça pouvait être pas mal comme bennage. Liquide dispose. Oui, et en plus. Ah, t'as l'autoload dessus. Elles ont pas de quantité, celles-là. Hein? 48 000 litres. 48 000 litres, si t'as pas de quantité, c'est déjà bien. Hein. Par contre, je la prendrai pas en jaune. Jaune, elle fait bizarre. En rouge aussi, elle fait bizarre. Ouais, là, c'est mieux déjà la couleur. Même le bleu, il est chelou. Pas une couleur un peu plus neutre. Ouais, noir. Ça manque de reflet sur le mode, quoi. Ça manque de texture reflet, malheureusement. En rose bonbon sucé. Ça peut être pas mal. Ouah, la BNTP de ouf. En noir, voilà. Noir, en rouge. Noir et rouge. Ça peut être pas mal. Ouais, mais il faut la remorque qui va avec. Ouais, bah, elle coûte 35 000, la remorque. La remorque coûte 35 000 euros. En couleur Michelin. 13 des billets de Monopoly s'il y a besoin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il reste les billets de Monopoly. 37 000 euros.
C'est qui m'a piqué des sous là? Qui a osé me piquer des sous? Enfin, il y avait celle-là de disponible si tu voulais. Puis celle-là, tu peux l'accrocher derrière le plateau qu'on a. Hein. Je crois. Je vais pas dire de conneries. Oh, et celle-là, tu peux acheter plusieurs bennes, tu vois. Et du coup, tu peux les promener en itinéraire. Ça serait pas mal. Ah non, c'est, il disait Jet, il me reste des billets de Monopoly s'il y a besoin. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça. Ouais, distribuez-moi vos billets de Monopoly, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être un bon mode à acheter celui-là. Ouais, ça peut le faire. Ah, j'ai plus de batterie. Moi, je dis que ça pourrait le faire. 48 000 litres la benne. Tu poses ça en bord de champ. Tu t'achètes 3-4 bennes. Ça peut être sympa. Ça te coûtera pas une fortune, les bennes. Les bennes coûtent vraiment pas cher. Ça peut être sympatoche. T'as même la benne autolode, je crois, tu sais. Oui. Je vais appeler le faussaire pour les faux billets. Faites des dons, allez-y. Ça pourrait être pas mal. Hop là. Alors celle-là. Putain, il va falloir la réparer aussi. Là c'est peut-être un peu ambitieux quand même. De quoi? Je déplace le tonneau Alizé avec le Fiat. Ouh, t'as été gourmand là sur le coup là. Il se vend combien la remorque là? Juste pour rigoler, 30 secondes. 12 000 euros la remorque. Ça roule là. Oh, ça, c'est que ça roule là. Ça la roule là, peut-être. Oh, avec le Farmal, tu roules le truc? Je suis à 37 à l'heure. Ah bah avec vieux. Le Farmal, avec le Fiat. Avec le Fiat? Ah ouais, d'accord. Avec le Fiat, t'arrives à rouler la tonne Alizé. Ouais, mais je suis pas sûr qu'en fonction ça fonctionne, tu sais. Bah écoute. Je pense que ça va peiner avant, tu sais. Je pense que ça va galérer un tout petit peu. Je suis pas sûr, mais j'y crois pas trop. T'sais. Ça pourrait être pas dégueulasse d'y regarder de plus près, mais j'y crois pas. Du coup, tu m'as dit silo est. Donc c'est de toute façon c'est le silo du train là, tu parlais. C'est ça. Ouais. Ouais ouais. Celui avant ou après le quai? Il est au-dessus du 91. Au-dessus du 91. Le département ou la jungle? Au milieu du front. Au milieu du front. Ok, d'accord. Impeccable. Ça va le faire, ça va le faire. Je suis en train de penser à mercredi, là, SnowRunner, là. Sur Epic, là, serveur playtest, là. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis les mains dedans. Enfin, je reconfigure ma manette. On va juste rigoler. On va juste pouvoir rigoler 30 secondes. Bah écoute, c'est qui l'emmène? Il l'emmène. Il l'emmène? Bien. Les... Je sais pas quelle vitesse. Ah ouais, mais je vais te poutrer le blé. Eh, si je ramène. Non, stop. Ah putain, ouais, bah oui. Stop le remplissage, voilà. 12 000 litres, c'est trop. C'est combien la capacité du poulailler déjà? 9 000. T'es sûr? Ouais, sûr. Ouais, j'étais parti chercher, mais ouais. Et combien ça coûte un silo? Trop cher. Un silo à grain? Trop cher. Un silo à grain? Ouais, ouais, c'est horrible. Et bijoux, René, bijoux. Charles, eh, vous me faites traumatiser là. Le silo à grain, 30 000. 30 000 le silo à grain? Lequel? Quel silo qui coûte 30 000? Qu'est-ce que tu me dis toi? Ah oui, les low cost. Ouais. Les low cost. Ah, vous avez mis les low cost. Lol. Y'a des modes qui sont passés sans mon approbation là. Hein? Bah non, qui c'est qui les a mis? Je sais pas. On est que deux avant le. Oui, c'est possible. La possibilité de le faire. Et bah, c'est. Ah, mais c'est peut-être les silos qui avaient la partie à 4 sous. Du coup, je les ai peut-être mis par inadvertance aussi sur celui-ci. C'est possible.
C'est tout à fait possible. Oui, c'est même fort possible que ça soit ça. Donc du coup. Ouais, un silo, ça vaut 30 000. Qu'est-ce qu'on fait, la commu, là? Dites-moi, parce que là, je suis en train de tourner en rond dans ma tête. Et quand je tourne en rond dans ma tête, c'est pas bon. Parce que je vais réfléchir pendant 2 heures. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, tu sais? L'AJ à 18K. Faut châtier le patron, lol. Ouais, c'est ça, faut châtier le patron. 18K, l'AJ? Non. L'AJ, il est plus cher que ça, normalement, l'AJ. L'AJ, c'est que la cuve à 18K, je crois. Ouais, celui-là, ouais. Celui-là, 18K, mais 76 000. L'autre, il a combien de contenance? Je ne veux pas regarder. 1 million. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas photo. Et en plus, celui-là, il va falloir acheter le... Tu sais, le truc qui va en dessous, là. Qui va avec. Je me rappelle plus. Qu'on... Le transborder. Là. Dans le transborder. Qu'est-ce qu'on fait? On se jette dedans? 30 000, on prend le low cost. Allez, 30 000. Mets-le ici, là, à côté des autres silos. Attends, là. Attends, je suis en route, là. Je suis en route. Ça va être 30 000. Ouais, ça peut aller. On avait dit que c'était pour la déco. De toute façon, les sous. Donc. Je vais donner à manger aux poupoules et on va passer ça. Ça sera pas dégueulasse. Ouais, puis ça nous évitera de courir. On pourra tout rapatrier ici parce que si chaque fois on doit courir là-haut. Ouais. Attends, bouge pas. Putain, je vais devoir manœuvrer, ça va être une catastrophe. Appeler les pompiers, je vais faire une bêtise. Non, c'est bon. Voilà pourquoi je veux une benne. Oui, j'ai compris pourquoi tu voulais une benne. T'sais. Et salut Flash Mad Queen. Je viens de YouTube, du coup, je passe faire un coucou. Ben t'as pas raison, des bisous. Pour une fois, ça sera de la faute de Anto si t'es obligé de dépenser, lol. C'est vrai. Donc vas-y, tu le veux où alors, du coup, ton silo là? J'ai réfléchi, c'est acté. Dis-moi où tu le veux. Bah, ici, à côté des autres. À côté des autres silos? À l'avant ou à l'arrière? Ah là, tourne le truc à vider vers la. Comme ça? Vers la route? Ouais. Et là, tu sais qu'il chevauche là. Vers la route. Monte-le en haut et le. La trappe de vidange sur le chemin. Ah, la trappe de vidange sur le chemin. Ça va te faire un truc bizarre. Ah oui. Ouais, je suis pas sûr que. Attends, je change d'angle de vue. Je suis pas sûr du tout du problème là. Voyons voir la perspective. Ouais, je suis pas sûr, ça va faire tasser là. Non? Ouais, sinon mets-le vers l'usine d'huile là-haut. Usine d'huile? En plein milieu, à l'arrache, à droite, à gauche, vous avez pas ramassé les balles? Non, plus contre l'usine. Contre l'usine? Pourquoi il me marque l'objet chevauche un autre objet là, tout le temps? Il va falloir le placer en libre, ça va être une horreur, les triggers ils vont pas marcher. Ah là je peux le placer tranquillou. C'est bizarre. C'est bizarre, 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 comme dirait l'autre. Normal, il y a les gendarmes. Je cherche à savoir est-ce qu'on pourrait pas le placer. Oh, vous avez une idée les gars? Là il pourrait être bien. Si je le mets comme ça, côté route. Comme ça. Il y a du terraforming à faire derrière. Ouais, là t'en as plus gêner, devant. Ça va gêner, la sortie elle va être toujours en face. Ça va être le long de la route. Bon écoute, on le replacera quand on aura fait le terraforming parce que je sens qu'on va faire une bêtise. Bon, tu sais que t'as 30 000 pour le placer quoi. Voilà. On les a. Il est dans quoi celui-là? Silo? Silo, ouais, silo tout au bout. Je vais regarder. Hop là. Du coup YouTube, on va se laisser là, je vous fais des gros bisous, on va continuer un tout petit peu en neuf. N'hésitez pas à nous dire exactement qu'est-ce qui nous manque dans notre décoration de ferme. Bien sûr, on va faire les routes au prochain live, je pense que ce sera beaucoup plus coordonné, beaucoup plus propre.
Enfin, peut-être pas le prochain live, le prochain, prochain. Les prochains après. Et du coup, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine esquizo. Ciao, bonsoir. Ciao, ciao. Pour YouTube.